Indépendamment de leur religion, nationalité ou statut social, tout le monde sont en colère. 종교와 뭐 국적과 뭐 계급에 상관없이 모두가 분노하고 있는. C'est un phénomène universel. En fait, particulièrement la celui des jeunes, c'est quelque chose vraiment oppressant et urgent. 표현할 수 없는 마음속의 분노를 가지고 있으면서 현실에는 무력한 그런 모습을 보이고 있다고 생각하는데. Donc en fait, les jeunes, ils sont en colère, mais on ne sait pas pourquoi, vers qui, à qui on doit diriger notre colère. C'est ça le problème. L'autre fois, on savait pourquoi on était en colère, on savait, on avait un objet vers lequel on pouvait diriger notre rage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le monde s'est amélioré, il a l'air fonctionné à perfection, mais les jeunes, on n'a pas de réponse comment on pourra vivre. Donc je voulais montrer cette rage des jeunes d'aujourd'hui, qui ne sait pas à qui il doit diriger la rage. 그래서 젊은이들에게는 이 세계 자체가 하나의 미스테리로 보이지 않을까? C'est une histoire plutôt simple. Dans tous les coins du monde, c'est toujours la lutte éternelle du faible contre le fort. La force, secondo me, del personaggio. La force du personnage de Marcello est précisément de faire transpirer une humanité très profonde. Ce personnage est coincé dans ce mécanisme de violence qui n'est pas le sien. Il reste dans une sorte de cauchemar qui appartient à quelqu'un d'autre et au final, il réussit d'une façon ou d'une autre à ne pas se transformer en monstre. Quindi probabilmente c'era già allora
il desiderio di trovare un personaggio che avesse comunque on avait le souhait d'avoir un personnage ici qui soit également un personnage capable de se rapprocher des autres personnages, d'autres mythes, Buster Keaton, peut-être Chaplin. È come un fiore, comunque pensa che il personaggio non diventa violento. Je pense que je suis d'accord sur le fait que mon personnage ne devient pas violent. C'est un petit peu comme une fleur qui pousse dans la boue et qui reste toujours blanche. Bianco, grigio, gris. Blanche ou grise, on va dire. Un petit peu de gris quand même. Un petit peu de salissure quand même. Je crois que le thème de la peur est un thème central. Le thème de la peur est au centre de tout cela. Dans l'histoire de ce personnage. C'est anche un thème estremamente attuale, che è sempre stato attuale. Sì, è un tema estremamente attuale. Ancora di più per certi versi. D'autant plus actuel aujourd'hui. Tiens,